Il y a aussi le problème des non-paiements. Lorsque ces personnels-là font 2-3 mois sans être payés, ils sont, n'est-ce pas, poussés à aller prendre le bien de l'entreprise, le vendre afin de nouer le début du mois. Mais quelles sont les stratégies qui sont prises? Il y a d'abord le contrôle. On se souviendra que lorsque on entre dans une entreprise, on trouve les gardes qu'on appelle les surveillants. C'est un corps de surveillance qui doit surveiller ceux qui entrent et ceux qui sortent.